qui a décidé de mettre grand gaz actuellement pour essayer de... Aïe aïe aïe. Oh non, la machine qui lance à peut-être avec 160 mm, peut-être avec 60 chevaux de vent, mais regardez, il a la patate, il est là, il est déjà aux 150 mètres, il va essayer d'en rajouter une couche pour aller sortir de l'ornière destructrice. Et regardez mesdames et messieurs, avec vos applaudissements et vos encouragements, ce qu'il est capable de faire, il est là, il est au palier des 180, aïe aïe aïe, oh là là, petite frayeur, mais il est là. Camille. Alors Camille qui a un pilotage tout en douceur, hein, qui ne privilégie pas pour l'instant la vitesse. Allez, pour l'instant, c'est bien parti. Qui essaye de se recaler du côté du boulet. Aïe aïe aïe. Malheureusement pour elle. Et oui, frustré de pouvoir aller au-delà des 100 mètres. Et malheureusement qu'il n'améliorera pas cette action. Allez, c'est moins que les 100 mètres se soit acquis. L'attaque du boulet. Oh, oh la vache. Ah oui, là. Ça ne pardonne pas un petit peu trop de vitesse pour pouvoir enchaîner le plus fort de l'équipe tranquille. On va pouvoir aller chercher les 120 actuellement pour Pascal Noir. Il va essayer d'aller au-delà des 150 mètres. Et il l'a mis là. Ici, du côté de la zone de départ, il veut absolument aller au-delà. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Ah, il avait l'envie, hein, je peux vous le dire. Mais malheureusement, ça n'ira pas plus loin parce qu'avec 136 mètres, les 120 qui sont avalés. Va-t-il pouvoir aller chercher les 150? Il semblerait que oui. Aïe. Regardez, déjà il est au 100 mètres. Et il attaque la sortie du boulet. Il se remet le plus loin possible. L'accélération pour passer les 150. Je vous jure qu'il n'a jamais monté cette machine. Et regardez, Florian Manteau qui est en train de réaliser un véritable petit exploit. Voilà, il se jette sur l'autocollation. Les premiers 100 mètres. Ça continue, le passage du boulet, peut-être les 150, ouais. Mesdames et messieurs, regardez bien, Laurent. Les 130 mètres qui vont être franchis, et pour aller chercher peut-être 150, oui, c'est bon pour Bruno Simonetti qui améliore son passage, aïe, aïe, qui reste également coincé du côté de l'ornière. Ah c'est pas possible, c'est pas possible, voilà, il nous salue, tout va bien. C'est parti, la puissance de la machine qui rugit actuellement ici sur ce départ. Loïc Chiouré qui est tout à fait capable d'aller chercher et de tutoyer les sauvés. Qui a décidé de prendre, regardez, une petite trace un petit peu originale. Essayez peut-être de repiquer à droite. Non, il choisit la sortie du boulet. Cette fois-ci, il pique à droite. Peut-être pour aller chercher au-delà des 150 mètres. En tout cas, il a trouvé la solution. Loïc Chiouré qui est présent. Aïe, aïe, aïe. Et qui a réussi une excellente montée. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir bien fort, Loïc Chiouré dans cette catégorie du championnat de France. Ah mais ça passe du côté du boulet, l'entrée de l'ornière. Ça devient de plus en plus compliqué. Pourtant, il vient de réaliser une excellente performance. Mesdames et messieurs, il est en train de faire un petit peu de travail. Regardez, le pilotage qui est là. L'accélération est là-haut. Du côté, aïe aïe aïe. Malheureusement ça n'a pas pu aller plus loin, un petit manque de chevaux, ça c'est certain, mais en tout cas, ça va partir vite. Hugo Guilmar qui est à l'attaque, mesdames et messieurs, regardez à la vitesse à laquelle il arrive au 100 mètres. Il est là, il prend l'option complètement à droite, l'accélération, il est en train de tenir, il a réussi les 150 mètres. C'est normal, vous l'avez applaudi, vous l'avez encouragé. Ah il travaille, c'est pas grave, il est sorti, aïe. Oh là là, le spectacle est là, mesdames et messieurs, Hugo Guimard qui est extrêmement efficace. Regardez, la montée qui se fait tranquillement jusqu'au 100 mètres. Aujourd'hui, ce n'est pas la vitesse qui va déterminer le vainqueur. Ça va être celui qui a le pilotage le plus délicat, le plus incroyable. Et là, Stéphane Pirel qui va commencer à faire parler son expérience. Regardez, qui s'y remet en ligne, qui repart en face au trial, qui va chercher maintenant le plateau. Aïe, aïe, aïe. Oh non, incroyable. Il était bien parti. Pour aller chercher les 100 mètres. Je vous rappelle, il faut dépasser absolument les 160 mètres pour Patrice qui a réalisé notamment une troisième montée de folie. Il arrive au palier des 150, il s'est recalé, vous l'avez vu, il est en train de passer l'ornière destructrice. Et regardez, le petit travail avec les pieds pour essayer de grimper un petit peu plus haut. Même s'il manque de chevaux, il tente, aïe aïe aïe. Ah ça n'ira pas plus vite. Le passage des 100 mètres qui est fait, il décide de prendre le côté droit.
Aïe, 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 non, non, il s'est fait désarçonner malheureusement. Aïe. Oh là là. Et donc ce sera la troisième place, là. Tout va bien. Et voici, il est passé à distance. Et bien écoute, en tout cas, c'est bien parti pour le moment. Il a la vitesse. Il s'engouffre dans le boulet. Il va chercher à l'arrière. Ça va être un petit peu difficile parce qu'il coupe un petit peu sa vitesse. Il est là, il attaque, la puissance est là, on a vu la machine qui se carre. Il est en train de travailler cette piste de arrête. Ah non, ça va être dur. Ça va être dur et pourtant il y aller. Il s'acharne et non, il a compris malheureusement le point. Pour l'instant, il rentre dans le boulet avec la bonne attitude. Il essaye de reprendre en droit. Aïe aïe aïe. Ah non, là ça ne l'a pas fait, effectivement. Le saut était trop important pour aller chercher. Qui se présente à l'entrée de l'ornière. Oh, c'est énorme ce qu'il est en train de faire, hein, Stéphane Cazenave. Oh, mesdames et messieurs, vous pouvez l'appeler un pur amateur qui est à ce niveau-là. Allez, ça passe en tout cas pour Mickaël Boucher qui va chercher les 150 mètres. Wow. Petite sortie incroyable, mais en tout cas qui a amélioré. C'est fait, le passage du boulet, c'est une formalité maintenant. Il prend le passage à droite. Oh là, aïe aïe aïe. Pas habitué, il s'est fait désarçonner. Il bloque la machine. Eh bien écoutez, il n'a pas abdiqué. Ah, on essaye. C'est vraiment la marque des grands champions. Ça n'ira pas plus loin, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Arcaï, énorme. C'est parti, regardez la vitesse. C'est impressionnant. Le passage du boulet, ça va sortir, et regardez le passage à droite, oh ça sent bon, aïe aïe aïe, l'effort qui a été coupé, il se bat quand même, oh non, aïe aïe aïe, et bien écoutez, il aura fait tout ce qu'il a pu, il est quatrième, le show vient de commencer, la Norvège est dans la place, le passage à droite, il est en train de se récupérer, ça passe, l'accélération maintenant, pour garder la vitesse. Il est là, regardez, ça grimpe. Aïe, 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 il s'est mis de travers. Oh non. Oh, incroyable. Jonathan de Carbon qui va se donner bien évidemment pour aller chercher. Il garde tout simplement cette première place, peut-être en individuel, cette première place par équipe. La sortie du goulet, il prend l'option à droite. Ça passe pour le moment. L'accélération, il a la vitesse. Aïe, 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 légèrement de travers. Il est toujours dans la limite, semble-t-il. Il passe sur le sol. Il est désarçonné par la machine. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Vous pouvez y appeler cette animation. Allez, c'est loupé, certes, dans la troisième. Et regardez, ça part très très vite, encore plus vite que lors de la première, de la deuxième ou de la troisième manche. Grosse attaque pour aller chercher. L'envolée, c'est fait. Il s'est bien calé. Il a gardé la vitesse. Oh là là, ça va aller haut. Ça va aller haut, mesdames et messieurs. Oh, le passage par devant. Les attrapeurs qui sont là. Il est au bord des 230. C'est parti, la vitesse, regardez. L'accélération pour le spécialiste de l'enduro qui a décidé de s'attaquer ici. À la montée impossible. Grosse attaque, regardez. L'appui complètement à l'extérieur pour aller chercher la trace à droite. Il est en limite. L'accélération, il se replace au centre. L'accélération, il est là. Il va franchir les 230.